Salut tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Scrap Mécanique avec Ezor. Et il m'a dit qu'il connaissait les bases. Donc on va voir ce qu'il connaît comme base. Et si vous aimez les vidéos de Scrap Mécanique, bah vous pouvez mettre un petit like. Et pourquoi pas partager la vidéo, ça me fera plaisir. Allez c'est parti, tu connais les bases? Ouais, alors je vais te montrer. Alors il y a ça déjà, le monter ou le descendre. T'es sur la bonne voie là. Voilà. Et du coup, bah, je suis pareil dessous. Tu construis quoi là? C'est un 4x4, là. Ouais. Dis-moi, oui. C'est pas toi qui m'as dit tout à l'heure que tu voulais faire un Interstellar? C'était juste pour te dire que c'est mal barré. T'as des années de lumière de faire un Interstellar là. Attends, mais c'est normal parce que je... Mais ça va pour moi, les directions c'est bon? C'est bien bon, ouais. Oui. Non. Ah oui, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Et tu sais, il y a déjà quelqu'un moi qui m'a proposé. Il m'a proposé de faire un satellite. Ah oui. Un satellite, mon vieux. Bah attends, bah c'est énorme, mon vieux. Non, c'est même pas un satellite qui m'a dit, c'est une station spatiale. C'est encore pire. Ouais, attends. Bah attends. Ouais, les idées, c'est pas mal. Après, faut le mettre. Ah, j'en ai pour 10 ans à faire une station spatiale. Toi, tu t'occupes de la construction. Vas-y, vas-y. Moi, je suis un. Moi, je vais m'occuper de la peinture. Ah, vas-y, vas-y, essaye de voir ce que tu peux faire comme peinture sympa. Ouais, je vais faire un truc sympa, t'inquiète. Oh, bah la décoration, t'inquiète, moi je m'y connais en déco. Hein. Regarde, je vais te faire un truc, mon vieux, ça va claquer, mais. Regarde, mon vieux, regarde comment ça va claquer. Vas-y, vas-y. T'auras jamais vu ça? Ça va être un truc de malade. Je te préviens, ça va t'éblouir, mon vieux. Carrément. Mets tes lunettes, mon vieux, ça va t'éblouir. Hein? Regarde ça. C'est quoi ça? Regarde ça, mon vieux. Regarde comment qu'elle déglingue comme ça. Il manquerait plus que les flammes sur le côté et c'est hein pas un tuning. Elle déglingue pas comme ça? Dans le Nord-Pas-de-Calais, ouais, c'est parfait. Ouais. C'est hein super. Non, franchement, tu t'es. Attends, il manque plus que l'aileron. Regarde, je me suis gavé là. T'as vu ça? Attends, t'inquiète, je vais bien la décorer. T'as baissé pour mettre, pour mettre dessus parce que là, elle est vraiment trop haute. Alors, ce qui fait que j'ai l'air un peu. Hop, on remet un bloc. Ouais. Bon, certes, là, voilà, c'est pas un truc de ouf, mais bon, en même temps. Bah, t'es malade, toi? C'est carrément. Laisse tomber, toi, c'est un truc de malade, ouais. Attends. C'est trop badass, mon vieux. Regarde ça, regarde comment qu'elle déglingue la bagnole. Regarde comment qu'elle déchire. Top, regarde ah, c'est parfait. Hein? Regarde ça, comment qu'elle déchire, mon vieux. Tu veux rajouter quoi sur ton. Oh là là. Là? Ouais. Franchement, là. Ah, regarde, y'a pas grand chose à rajouter. Elle est de toute beauté, mon vieux. Elle est de toute beauté là! Oh là là! Vas-y! Vas-y, avance! T'es à fond là? Non, ouais, à fond, mais attends, je vais augmenter un peu la. T'as mis le moteur à fond? Ça tient bien, oh, ça tient bien, mec! Hein. Comment qu'elle déchire ta caisse? Bon, ça tient pas, ça! Eh, hey, pour une première caisse, franchement! Pour une première caisse, c'est pas trop mal. Alors attends, on va la remettre debout, faut qu'il y ait une solution, j'imagine. Eh, moi, à l'époque, quand j'avais commencé le jeu, j'avais fait la Jolate mobile, mon vieux. Sérieux? Comment qu'elle déchirait la Jolate mobile? C'était pire que la Batmobile. C'était la Batmobile version 2.0. Et comment on fait pour la remettre droite? Eh ben, tu prends ton lift, ton ascenseur là. Ouais. Tu la prends et tu vas la poser où tu veux. Oh là là. Pourquoi ça part comme ça en fait? Ça fait des petits. Pourquoi ça donne des petits à-coups? Bah parce qu'elle déchire, mon vieux. C'est normal. C'est parce qu'elle déchire. Putain, y a un trou. Oh j'ai freiné. Oh là là, comment qu'elle déchire, mon vieux. Oh là là. C'est un truc de malade, franchement. Oh là là. Vas-y, fais un saut. Elle déchire. Moi, tu sais quoi, regarde, il manque un truc à ta caisse là. Ça tient là. Quand même, c'est pas mal. Ça ouais, tient, ça tient, mais regarde. Putain. Par contre, les freins, mon vieux, c'est pas ça. Allez, vas-y, va faire un tour là et dis-moi des nouvelles là, un petit peu là. Vas-y là. Hein? Attends. Alors. Ça va pas plus vite comme ça? Oh là là, comment tu t'en vas mon vieux avec ta caisse? Attends, je me suis viandé, attends, je me suis pris là. Ouais, déchire comme ça. Là, elle est bien là. J'ai baissé la puissance du moteur. Moi, j'aime bien moi. Qu'est-ce qu'il y a, regarde, je vais faire ça. Ah, mais merde, je suis con moi, putain aussi. Si ah, ouais, t'es sur l'ascenseur. Ouais, ouais, t'es sur l'ascenseur là. Oh là là. Oh putain, comment tu pars comme une balle, mon vieux. C'est un truc de malade. Moi, je te propose. Ouais. Maintenant que tu connais les bases, tu vois. Tu connais les bases, tu connais les bails. Je te propose qu'on se mette chacun d'un côté, tu vois, et qu'on fasse chacun une voiture. On refait chacun une voiture. On refait chacun une voiture. Et après, on compare tous les deux notre voiture. Et on fera peut-être même une petite course après. Vas-y. Hein? Ok, faut que j'essaye de voir ce que je peux faire comme. Eh, ça tient, mec, hein? Parfait, ok. Maintenant, pour éviter, parce que bien sûr, on n'a pas le droit de s'inspirer de l'autre. C'est la base, mon vieux. Dans Scrap Mécanique, t'as pas le droit de t'inspirer de l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hein? Par contre, moi, je te dis, je fais pas une voiture. Enfin, c'est-à-dire, je comprends pas ce que tu me. Ah, moi, je fais pas une voiture, ah non. Moi, je fais la sainte voiture.
La sainte voiture. Eh ouais, mon vieux, je fais la sainte voiture, moi. Aïe. C'est vraiment si... C'est vraiment si... Bah vas-y, on va voir. Hein, hein? Alors... Attends, tu sais que... préparer le bloc, moi j'étais comme ça. Hé, arrête alors ça, Marco, tu vois? Regarde, on a déjà un tricheur parmi nous là. Hein? Alors? Ouais, mais tu vois, moi j'étais en train de tricher, toi t'étais déjà en train de tricher. Hein? Tu sais qu'on a triché en même temps quand même pour le faire. Ah, salopard, t'as triché en même temps, c'est... Ah, ça t'intrigue, hein? Ça t'intrigue ce que je fais de l'autre côté, hein? Bien sûr. Oh, moi je t'ai fait un 4 cylindrés là. Laisse tomber. À ce point-là? Ah bah! Ah, moi je rigole pas, mon vieux. C'est dommage qu'on puisse pas faire des grosses roues en fait. Comment ça, des grosses roues? Et qu'on puisse pas mettre de grosses roues. Bah si! Oui, mais c'est des. Oui, mais elles sont déjà pas mal, mais on va dire c'est pas comme. Pas des. Comme un. Tu sais, les gros 4x4 là. Enfoiré, mais, si ouais. T'as... mais non, mais parce que. Oh, il me fait pitié de ton véhicule. Non, mais attends, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je viens. Non, si que... t'as des grosses roues, tu as des grosses roues. Des grosses roues de 4x4 si tu veux. Tu me fais délirer à rester juste sur le côté. Attends, pour pas te stresser, je vais me mettre là. Je vais me mettre là pour pas trop te stresser. T'as des grosses roues, Ezor. Non, mais si, mais regarde dans ton inventaire. Regarde. Hein? Alors, c'est déjà mieux, hein? Bah, bien sûr. Allez, je referme. C'est vrai que je connais pas trop encore la physique du jeu, ce qui fait que je m'amuse à faire vraiment un truc un peu abusé. Et ouais. Ce qui fait que je sais que c'est pas trop le truc à faire, mais c'est pas grave. Il faut tenter dans la vie, tu vois, c'est important. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est important de tenter. L'important, c'est de participer. L'important, c'est de participer, exactement. C'est ce que je dis toujours. Voilà. Putain, à chaque fois, j'ai l'impression de... Arrête. Ita, qu'est-ce que tu fais, là? Oh, là, tu m'entends, punaise. Je pensais pas que t'allais m'entendre. Hey. C'est quoi? T'as cru que j'allais pas t'entendre ou quoi, enfoiré? Surtout qu'en plus, il y a juste ta tête qui passe, on dirait un pédophile, mon gars, qui attend sa peau, quoi. Oh punaise, regarde, des chiens, ma petite invention pour te faire un petit coucou. Attends, je cherche le siège que tu m'as parlé la dernière fois. Non, il faut que j'arrête, moi, faut que je fasse ma voiture un peu. J'ai fait un truc, on dirait la charrette dans la petite maison dans la prairie. Il manque plus que les chevaux. À ce point-là? C'est un truc de malade. Attends, ferme-moi cette putain de fenêtre là, laisse-moi tranquille là. Attends, en plus c'est mon véhicule. Oh, c'est bien, je t'entends. Putain, des fois j'entendais pas, on dirait que t'es à côté aussi. T'as là. Eu Quoi, ça marche pas? T'es vraiment à côté, je suis sûr là, hein? Non, je suis en train de construire. Hein? La voiture te coupe, là, attention, hein, j'ai l'œil, hein. Ouais, ça, je l'ai vu que t'as eu l'œil depuis tout à l'heure, le mec il fait que de. Bah, excellent, mon vieux. Putain, les portières ils s'ouvrent dans ce sens-là carrément. À ce point-là? Tu veux que je te donne un avant-goût de mon véhicule? Hein? T'inquiète. Déjà? Eh! Ika, bro, le machin, mon vieux. Il est en train de cabrer. Bah, ah, moi je dis, je rigole pas, mon vieux. Non. T'inquiète, je rentre chez moi. Attends. Franchement, ça manque de patates à cette affaire, mon vieux. Je vais en rajouter un petit peu. Ah, mon vieux. Putain. Bah, regarde, tu veux me voir passer à côté de toi à la vitesse de la lumière. Oh putain, mon vieux. Je suis survolé avec mon machin. Mon dieu, est-ce que t'es assez délire. Mec, j'arrive, t'inquiète. Moi je les pilote comme ça, mon vieux. Bah putain, mon vieux. Bah oh, bah laisse tomber. Attends. Ce délire. Wouh, oh, bah regarde ça, je me suis retourné. Je suis coincé dans un arbre, Ezor. Non. Bah c'est bon, j'ai ça mis y est. Trop de. J'ai trop mis de. Vas-y, j'arrive, t'inquiète. Oh là là, comment qu'elle déglingue, mon vieux, ma bagnole.
Pouah, c'est un truc de malade. Ta voiture a un peu plus de gueule que la mienne. Ça, elle déglingue. On dirait la charrette dans la petite maison dans la prairie. Ah, c'est ça. Putain. Ma voiture, elle fait tout de... C'est quoi ta bagnole? Attends, regarde, bouge pas, je vais t'aider à te remettre droit, t'inquiète. Regarde, je vais t'aider. Merde. Je vais t'aider. J'arrive, bouge pas. Merci, vas-y. Regarde, je vais te montrer un truc de malade. Tu veux faire quoi? Une plaque flottante, mon vieux. Ah, mais qui part? Ah, mais t'as déjà fait ça? Avec plein de fusées au-dessus? En tout cas? Non, ouais, t'en mets pas plein. Bah non, bah faut pour mettre plein parce que sinon, mon vieux, là, c'est la galère. Hein. Là, regarde, tu fais comme ça. Hop. Bah, t'es prêt? Allez, 3, 2, 1. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. C'est parti. Oh putain. T'as vu comment c'est stable? Grave. Regarde, c'est stable, hein. T'as vu? Putain. Regarde si j'éteins. Tranquille. C'est assez stable, hein. Regarde, tu peux descendre. Descends. Attention de pas tomber, hein. Ouais, t'inquiète. Oh, t'inquiète, je remonte. Vas-y, regarde. Putain, mais c'est dommage, il reste pas trop... Attends, active. Le mec il fait faire un trampoline en forêt. Ah, je vais passer à travers. Attention, tu vas tomber. Tu vas tomber. Regarde, je l'emmène en haut, t'inquiète. Mais ça tient bien en fait, hein. Je l'emmène en haut, c'est stable, hein. Bah grave. On est vachement stable, hein. Et encore, tu vois, il y a moyen de flotter. Tu vois, parce que là on monte là, tu vois. Ouais, il faudrait flotter avec quoi? Si tu règles la puissance des réacteurs ou que tu règles avec du poids des blocs, ouais. Et bah il y a moyen de flotter. Ça serait bien, tu sais, qu'on puisse aller dans l'espace, que t'arrives dans un endroit où c'est l'espace, d'un coup tu prends une un masque à gaz, un truc du genre et... Ah ouais, mais y'a pas d'espace. Regarde, là, si j'ai 100... Pourquoi on est de travers? Fais gaffe. Remets-toi. Non, t'inquiète. Stop les réacteurs, au pire. Stop les réacteurs, Ezor. Attends, parce que là, j'ai un visuel... Attends, t'appuies sur 1 pour les stopper. Par contre, si tu vois que tu tombes, tu les réactives. Attends. Non. Vas-y, je te rejoins. Non, t'as oublié la plaque. Bah écoute. Oh putain. Attends, est-ce que j'ai le temps de me construire un truc avant d'atterrir? La plaque volante, ah bah je crois pas. Oh, comment que je te vois arriver? On dirait une étoile filante, mon dieu. Ah oui, tiens, je vais te montrer ma maison volante. Elle est super stable. Bah oui, elle est super stable. T'inquiète, tu peux rentrer dedans et tout. On peut voler avec et tout, t'inquiète. C'est une maison volante, mon vieux. T'as dû mettre ce gros bloc sur le côté pour faire un contrepoids? Quel gros bloc? Y'a pas de gros bloc. Bah si. Quel gros bloc? Ça, t'es fou, c'est mes chiottes, mon vieux. Regarde. C'est des regarde, chiottes, viens ça. Voir. Bah ouais, regarde. Vas-y, rentre dedans. T'as de la c'est musique. Mes chiottes. Ah non, j'ai pas de musique, non. Mais non, mais je te parle pas de ça. Je te parle, hein, d'une grande salle ici où y'a tout ton jardin. Ouais. C'est pour faire c'est contrepoids que t'as fait ça? Bah non, c'est une terrasse. C'est ma terrasse. D'accord, ok. Tranquille. Ça c'est une girouette, c'est pour voir si je penche ou pas. Tu vois? C'est énorme. Ouais. Ça ici. Vas-y, fais regarde. Un peu, vas-y. Ici j'ai mis ma chambre. Tranquille. T'as vu, c'est énorme. Putain. Ici c'est la cuisine. Bon bah vas-y, prends place sur une chaise là. On va décoller. Attends, pour que j'ai un visuel pareil que toi. Vas-y, go. Ouais. Alors, attends. Je sais plus comment qu'on décolle. Je crois que c'est... On va commencer par... Attends, bah, t'es fou, il y a plusieurs réacteurs. Il y a plusieurs réacteurs. Et puis, attends, regarde. Je t'ai pas fait visiter. Il y a la soute aussi. Je crois que c'est celle-là, la soute. Non. Ça, c'est des réacteurs. Voilà. La soute, regarde. Il y a une soute. Ah bah ouais, c'est la soute pour mettre les réacteurs et tout. T'inquiète, eh ça déchire, hein. T'as pensé à tout, quoi. Attention, on décolle. Ah hey, ah elle, merde, j'ai décollé de travers. Normalement, elle est stable. Ouais, normalement, on est stable. Je savais qu'il y a une anguille sous roche, c'était obligé. C'était obligé. On est coincé dans un arbre. On est coincé dans un arbre. Merde. Oh, attends, Ezor. Quoi? Descends et ouvre-moi la soute. On est coincé dans un arbre. Tiens, mais j'ai la tête à l'envers. Descends. Appuie sur le réacteur à côté du attends, siège. Putain, je m'y perds, moi je l'ai pouché. Attends. Oh, je m'y perds, là, catané. Oh. T'inquiète. Oh, attends, putain, on est coincé dans un arbre. Je sais plus où je suis, là. Putain, merde, t'es dans l'arbre. Tu verrais ça, laisse tomber, t'es coincé dans l'arbre. Assis-toi parce que je vais te téléporter. Trouve-toi un siège. C'est vrai. Allez, on est reparti pour le deuxième essai. Allez, deuxième allez, essai. On y croit, hein. Normalement, elle est stable. Attention, c'est parti. Regarde comment qu'elle est stable.
Putain, mais t'as vu comment? Oh, regarde, elle est stable, hein. Ouais, elle paraît un peu sur le côté, mais ça va, c'est stable. Ah, c'est parce qu'on a décollé de travers. Mais sinon, elle est stable. Putain. Regarde. Ah, Isor, surtout, ouais. Descends pas. Ne descends pas. Laisse-toi aller jusqu'en haut. Je suis tombé. Mais comment t'as fait? Ne descends pas. Laisse-toi aller jusqu'en haut. Oui, je sais, tu vas me téléporter. Non, je vais pas te téléporter. Il faut que t'éteignes les réacteurs et que tu redescendes ma maison. Non. Sinon, elle a à tout jamais perdu là-haut. Déconne pas. M'aider. Tu prends ton lift et tu sautes. Tu cliques juste pour la prendre. Tu cliques une fois et tu sautes. Encore une fois là. Non, clique pas encore une fois. Ah bon? T'as pas cliqué deux fois? Et si, pourquoi? Non, t'es sérieux? Pourquoi, fallait pas? Ben non, faut pas. Tu l'as plus dans les mains là, je parie. Et non. Si? Non, je l'ai plus dans mes mains, putain, merde. Non, bah ouais, t'as cliqué deux fois. Ah non, elle est là. Ah, merci, Isor. Attends, déconne pas, c'est ma plus grosse construction, franchement, j'en suis fier. C'est chaud, tu la perds, tu peux vraiment, tu la perds totalement là. Ah bah laisse tomber, j'ai déjà fait des missions Apollon pour aller la chercher avec des petites fusées et tout. Oh, mais quoi. Ouais, si, hein, elle est bien quand même, hein. Ouais, elle est parfaite, franchement, c'est super.